Merdeux. Alors, on reprend. Vous avez déjà fait ça. Vous n'êtes absolument rien. Rien. Oups. Bon, je vais arrêter de mes conneries avec mes sorts là parce que je suis juste pas assez fort. Alors. J'ai un nombre de trucs là. Alors, il me faut pas du poison. Marc, si du poison, on va se faire du poison aussi, tiens. Voilà, on a endommagé la hache d'Emner et on va se faire un potion de soin, magie, potion de soin légère, j'en ai 10. Allez, c'est parti, attention. Combat sérieux, je suis un peu rouillé, hein, mais on est reparti. On est parti. En fait, j'ai eu plein de sang sur, sur le visage, là, c'est assez embêtant. Je vais mourir, entends. Ouais, je l'ai eu. Ouf, vous avez vu. Je savais que j'allais mourir, mais j'ai pris le risque. Oh, là, je suis au bord de la mort, quoi. Je suis au bord de la mort. Ah, j'ai pris la clé de la cave. C'est bon, la vie remonte. Encore une clé de la cave. On va passer en mode furtif. Et on va sauver parce qu'on n'est pas mort. C'est vrai que là, je vois moins bien. Bon, on va arrêter de faire le con avec les sorts hein, parce que ça, il marche pas. Pas pour voir, c'est que je vise très très mal peut-être. Alors, un coffre. Est-ce qu'on va réussir à le déverrouiller en ne cassant aucun verrou? Non. Cassant peu de verrous? Bah alors c'est quoi cette histoire? Il fallait pas que je bouge en fait. Alors. Attendez un peu. J'ai un niveau là aussi. J'ai combien de niveaux? A tout augmenté. Hein, alors, niveau. Santé. On va mettre santé. Hein, parce que là, je meurs trop vite. Ah, j'ai deux atouts augmentés. Alors, c'est parti. Bon là, comme d'habitude, hein, je vais prendre un peu de temps à choisir. Parce que. Bah parce que voilà. Donc là, je suis à 40. Donc là je pourrais prendre des dégâts en plus. Enchaînement à deux mains, ça j'ai déjà pris. Et là bas il me faut combien? Il faut 70. Voilà. Position de combat. Donc là c'est quoi? Charge critique, demande 50, demande 50. Donc ça je peux pas. Ok, donc ce que je pourrais prendre, c'est comme j'aime bien les haches. Je pourrais prendre ça. Les haches affichent des dégâts de saignement supplémentaires. Bon, donc un truc que je pourrais prendre, c'est ça. Et sinon, j'ai archerie. Découverte. Donc ça, c'est quoi? Des dégâts supplémentaires. Petit coup critique. Œil de lynx. J'ai 29 en fait, donc faudrait que j'ai 30. Donc je me le garde pour le prochain. Armure légère. Tenue légère, plus 25%. J'ai déjà pris ça ou pas? Ça j'ai déjà pris. Il faut 70, 50. J'ai une défense de plume. Je pourrais augmenter de 20% mon armure. Furtivité.
25% de plus difficile à détecter. Demande 40. Vous ne déclenchez pas les pièges au sol. Ah, c'est le truc que je pensais avoir pris la dernière fois. Ah voilà, les attaques furtives portées à l'aide de DAC font maintenant 15 fois plus de dégâts. Donc je vais prendre ça. 54. Je vais le prendre. Ah, il faut d'abord que je prenne... Ah zut, il faut que je prenne visée mortelle d'abord. Ok, donc. Ouais, bon, du coup, je veux l'âme d'assassin. Et voilà. Donc là, 15 fois plus de dégâts que des dagues. Bah, on va commencer à se mettre des dagues en favori. Hein. Alors, objet. Tac. Donc, mes dagues les plus fortes sont... Dagues orc. Elles font combien? 10 points. Mais 12, ça fait 120 points de dégâts, vous imaginez? Alors, favori. F. Dague, on va les mettre en 6. Allez. Voilà, j'ai deux dagues orc. Voilà. Bon. D'un autre côté. On a toujours le problème avec la deuxième main. Je sais pas si c'est un mode pour améliorer l'utilisation de la deuxième main. Je sais pas. Bon alors. Je suis dans la cave, c'est bien joli, mais il est où? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la cave là? Est-ce qu'il a disparu le coffre ou pas? Vider le coffre. C'est par là, donc il faut que je repasse par là. Ah bah c'est une porte là. Ok. Voilà, de l'autre côté. Ah bah voilà. Ok. On va par là. C'est parti. Un petit sauvegarde. Alors. On va essayer d'ajouter discret. Hein. Ils ont tué des chevreuils ici. Peau de chevreuil, peau de biche. Je prends. Ils laissent traîner leur bourse, les gars. Tant pis pour eux. Alors, je me tais, c'est quand je me concentre. Là, on entend du bruit, il y aura des gens pas loin. Oula, c'est quoi par terre? Je sais pas c'est quoi, on dirait du sang. Ok, donc là, il y a un gars. On va vérifier, est-ce qu'il y a qu'un gars ou est-ce qu'il y en a un autre? Si on n'a qu'un, on va tenter d'utiliser nos nouvelles dagues. Allez, on sauve. On y va. Attaque furtive, 15 points de dégâts. Vous l'avez vu, hein? Je vous le mettrai dans le coin. Clé de la cave, non? Je vais voir combien de clés de la cave là. C'est bon les gars, j'ai eu la clé de la cave, c'est bon. Arrêtez de vouloir me la donner. Ok, donc voilà, on s'approche de la cave du coup. J'en déduis. Alors, on va descendre. Ah, le coffre est là. On va aller vérifier ce qu'il y a là d'abord.
Ok, donc là il va sûrement y avoir un moyen de sortir. Allez, on y va, on va se prendre le petit coffre d'abord. Ouf, je vais essayer d'avoir du premier coup celui-là. D'accord, il y avait que 9 or. Il devait être facile. Alors, le coffre d'Arengor, j'ai la clé. Acte de vente de Luminor. Hop, c'est bon. Une bourse, 32 d'or. Donc là, il y a quoi? Les égouts, j'y crois pas. En gros, ça veut dire que j'aurais pu arriver de là directement à l'intérieur. Ah non! Ah la loose! Alors attendez, on va juste vérifier les objectifs quand même. Ah, j'ai oublié de brûler les ruches. J'ai oublié de brûler les ruches, mais on va ressortir, c'est pas grave. On arrivera par extérieur pour brûler les ruches, ça va être le plus facile. Donc là, je suis dans les égouts. Comment ça se fait que je suis pas arrivé par là? Je pensais être rentré par les égouts en fait. Ah oui, non, c'est ça. Je peux que sortir par ici. Je peux pas rentrer par ici. Parce que là, c'est en l'air. Et que je pense que j'aurais pas, sûrement pas pu sauter par ici. Alors, on y va. Voilà, donc c'est un endroit dans les égouts. Mais oui, voilà. J'arrivais par là. Et je remontais par là. Pour bord de Sienne. Ok, donc là, je suis ressorti à l'endroit tout à l'heure. Impeccable. Donc maintenant, il va falloir que j'aille me péter mes ruches. Vous voyez la couleur dehors là? C'est un peu changé. Hein. Mais j'aime bien. Normalement, les feuilles sont plus jolies aussi, plus détaillées. Le sol aussi. Tout est plus beau, normalement. Tout est plus beau. Me dites pas le contraire, ça va me démoraliser. Donc tout est plus beau. Voilà. C'est décidé. C'est dumb. C'est beau. Alors. On est toujours en infiltration. Ouah. Ah zut. Je me suis fait détecter. C'est pas bon. On va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc ils sont tout un tas de gars à l'extérieur. Il faut que je fasse gaffe à pas me faire choper. Tarte aux pommes, c'est bon ça. Alors. On va réessayer. Hop. Ok, donc là je suis à nouveau furtif. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a repéré, je sais pas d'où. On va essayer d'aller. On va y aller un peu plus doucement. Les ruches sont là-bas, vous les voyez au fond? Ils sont plus jolis les rochers aussi. Regardez. Alors. Pas que je tombe. C'est de passer par ici. Alors là je suis discret, regardez, c'est quand même vachement plus joli. Hein. Voilà, on est là. Alors, pour l'instant c'est tranquille. Je vois personne, personne me voit. Là il y a les égouts par où je suis rentré tout à l'heure. Ah, là je vois quelqu'un là-bas.
Les ruches sont là. On va essayer de passer tranquillement. On se met là. Est-ce que quelqu'un peut nous voir de ce côté-là ou pas? C'est la calme de ce côté-là quand même. Hein. Alors, on va essayer de monter par ici. Ah, je peux pas monter là. Non, je vais pas pouvoir monter par là. Alors c'est le problème, ça prend un peu de temps hein, de le faire en furtif parce que... Bah parce que voilà. Je passais par où? On va revenir en arrière. Et l'eau aussi, normalement j'ai changé l'eau aussi, l'eau est plus naturelle. Je peux passer en dessous là ou pas? Ah ça bloque. Je vais passer là. Alors, les ruches sont pas loin. Les ruches ne sont pas loin. Entre moi et les ruches, il y a encore du monde. Hein. Alors, il est où mon arc? Est-ce que je peux réussir à passer comme ça ou pas?